Bon, il aime pas du tout mes attaques magiques. Je te touche comment une fois que t'es dans les airs et que j'ai plus d'habilité là? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, quelle saloperie! Allez, empoisonné, putain. Je préfère crever du poison plutôt que de tenter et d'avoir que deux plumes. Ah, c'est trop la merde. Enfin, moi je récupère. Oh putain, quand même. Oh, allez, non, mais sérieux! Et en plus, il y a le garde! Il est toujours là! Putain, mais il n'y a pas moyen de les tuer, ces machins. Voilà, je vais me récupérer. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, bonne année! C'est bon. T'aimes bien, je le sais. Oh. De Booyah! Quoi? Ah, 210, j'ai lu 21, j'étais là, what? Mais oui! Oh putain, j'en ai absolument pas chié. Ah, et la porte s'est ouverte. Quoi ce lapin? Un petit lapin! D'accord, donc c'est juste un animal. C'est juste. Ok. Et le raccourci a été déverrouillé. Bon, bah on va aller dépenser tout ça. Ouais, je récupère mes plumes aussi. Celles-là, elles sont un peu partout, là. J'aime pas trop ça. Et puis comme ça, on va pouvoir explorer un peu. Allez, on va faire ça. Combien c'est pour récupérer? 400! C'est de plus en plus cher, j'imagine. Malheureusement. On va payer ce tribut. Et du coup, il me reste rien pour monter en niveau, quoi. Alors, on va monter. De la force! Toujours plus de force! Allez, hop. Ah, je suis content, putain. On a réussi à vaincre un truc de fou. On va peut-être pouvoir explorer. Ou pas. Parce que ça s'active pas. Chier. Ah, oh, c'est pas cool. Ah oui, là-bas, t'es en direction du chevalier noir. Non, attends, c'est pas par là, parce que là, t'es bloqué.
Non, le chevalier noir, je crois qu'il est en dessous. Mais bon, eh ben, je ne peux aller par là. Je comprends pas l'intérêt en fait d'arriver jusqu'ici avec ton cheval. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu là-bas. Peut-être qu'il m'éclairerait la route, je sais pas. Moi, je pense à toutes les possibilités. Hein. Attends, on va essayer d'activer la cloche pour voir. Allez, mon petit. Et on va voir jusqu'où tu peux aller. Parce qu'avec lui, on peut sauter. Je me rappelle plus en fait si c'était un mur ou si. Ouais, c'est ça. Ne sauve que depuis la droite. Chier. Alors tu peux pas aller par là, ça sauve que depuis la droite. Là-bas, ça sauve que depuis la droite aussi. Et tu peux aller nulle part ailleurs. Fantastique. Je sais pas lequel je pourrais me raffronter. Lui, je sais pas pourquoi il pleure ce machin. J'ai pas forcément envie d'affronter le type sur le pont qui était extrêmement balèze. Grand épée d'Alduin plus 2. Pah, j'en ai une plus 4. Que crois-tu? Ouais, j'ai pas forcément envie d'y retourner là-bas. Surtout maintenant que je viens de me prendre ça dans la tronche. Alors est-ce qu'on retournerait au pays de la glace? Ce qui m'énerve, c'est que je peux pas améliorer mon arme. En fait, je trouve des armes plus puissantes, mais je peux pas les améliorer. Je peux rien en faire. Eux, ils m'apprennent des capacités dont j'en ai strictement rien à branler. Elle t'apprend des trucs de hallebarde ou de lance. Clairement pas intéressée. Elle t'apprend rien non plus qui m'intéresse. Acheter. T'as quoi? Augmente la quantité d'objets de soins de 1. Plumet de phénix. Oh! Nouvelle plume de soin! Cool! Ah ben, merci madame! Ça m'énerve que je puisse pas améliorer une arme. Ouais, je peux juste les lâcher, les déséquiper, mais je peux pas. Grande épée à 105 de dégâts, comparé à la mienne à 98, on dirait pas, mais. La différence. J'avais oublié cet endroit, comment tu fais? Ah ouais, là il y avait un coffre. Genre là il y a rien. Un truc au milieu de nulle part, bon bah allez. Hein.
Merde. Comme un débutant. Mais j'ai pas le choix si je veux retourner au pays de la glace. Quoique, attends, je peux obligé de repasser tout par tout ça. Ah, on a ça, un objet. Non, je peux obligé de repasser par là. J'avais débloqué un raccourci vers le hibou. Peut-être passer d'ailleurs par là-bas. Ah, c'est tombé à un truc. Une cape. Enfin une nouvelle cape. Eh bah putain, c'est pas trop tôt. Hein. En plus, elle est excellente. Je la prends. Ah, y'a que la cape qui change de couleur selon les équipements, d'accord. Ah, elle est bien mieux. Hein. Oh là là. Je revis, quoi. J'ai encore beaucoup plus de vie, j'ai encore de la force à revendre. Alors, ce qui signifie que là, au niveau de la force, 22 plus 13. J'aimerais bien me le faire ce hibou, le problème c'est que il faut que je trouve son bouquin en fait. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Et je fasse des fouilles plus approfondies. Voilà. Je sais absolument pas où est-ce qu'il peut être. Je crois que là il y avait un tome Gaïen, je crois. Je pourrais retenter le hibou comme ça, mais bon, je fais pas assez de dégâts. Pff, putain. Ouais, contre les mobs de base, par contre, ça pique un peu, hein, au niveau des dégâts, là. On va retourner par là-bas. On va retourner vers le passage. S'il y a un endroit où j'ai mal fouillé, c'est forcément ici. Déjà, t'as lui là-haut. Ah, lui, il est toujours là. Lui. Salut, je me fais chier. Alors, je suis toujours là. Ah, tu t'es fait humilier par le gars du rempart, mais t'inquiète, hein, moi aussi. Hein. On est deux dans cette situation gênante. Ah ouais, je peux pas aller chercher ça. Où peut bien être ce bouquin sur le hibou? Pour moi, il peut être que par là. Là, t'as encore un point de sauvegarde. Ok, là, y a rien. Pas besoin de me reposer au milieu de nulle part. Ça ne ferait que me ralentir. Ok, donc là il n'y a rien de plus à faire. Enfin, si ce n'est que j'ai pas trouvé comment avoir ces items là-dessus. Passer par là. Putain, je les plains les pauvres. Yeah.
Je peux bourriner. Ah oui! Ah oui, il y a lui aussi. Oh là là. Je peux pas me le faire, lui. Mais bon, ça se trouve, à un moment, il faudra le tuer. Bombe de cristal, d'accord, merci. J'aime bien comme des fois il te lâche des trucs complètement aléatoires. Soigner un coup quand même. Putain, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir raté un truc hein, dans cette zone. Je veux dire, clairement, là. Ah, pour moi, là, c'est du sans faute. Hein. Là, on peut pas y aller. Pour moi, cette zone, clairement. Ah, peut-être là-haut. Peut-être là-haut. Ah, je suis sûr, j'y suis déjà allé quand même. Oh, what? Oh, quelle arnaque. Quelle arnaque. Ah. Eh ben non, pas de bouquin, mais une aura de tireur, donc c'est cool. C'est cool quand même, mais bon, c'est clairement pas ce pourquoi on est revenu là. Et donc là, on est déjà allé, hein, du coup. Faudrait qu'on aille là-bas, sur la gauche. Pourquoi je suis pas allé? Faut que j'aille tuer le petit lézard. Attends, comment je pourrais faire pour redescendre? Ah bah par là en fait. Oh! Pierre d'homme! Eh ben voilà! Putain, mais je suis con. En fait, dès que tu vois un précipice, les trois quarts du temps, faut y aller. Genre, le précipice, c'est tes potes. C'est tes meilleurs potes. Ok, bon bah, je le saurai maintenant. Ok. Le voilà, le fameux, l'ultime, il est là! Il faut que j'attende que. Voilà, que madame, la girafe, là, je sais pas trop ce que c'est ce truc. Yes! Enfin! Mais voilà, je me disais, putain, mais il me semble pas y être allé là-bas. Yes, ça y est, les amis! Nous avons trouvé. Alors attends, par contre, comment on fait pour repartir? Par là. Ah putain, alors là je suis refait. Je suis refait. Roi Hibou, je reviens pour une ultime confrontation. Ah, je reviens pour l'ultime confrontation de la mort. Je t'avais dit que je lâcherais rien, le roi Hibou. Je te l'avais dit. Maintenant, prépare-toi à crever. M'énerve quand même que j'ai pas trouvé encore une amélioration pour l'arme que j'ai. Sentinelle, on commence bien, mais alors après, on stagne, non?
Remonter la vie. Parce qu'avec ma nouvelle cape, de toute façon, ma force a été largement améliorée. Et pour ce boss uniquement, je vais utiliser ça. Donc je pourrais pas utiliser mes capacités. On va voir si ça va vraiment me porter à préjudice ou pas, avec toute la force que j'ai accumulée. Et on va voir un petit peu les dégâts que je te fais maintenant. Ok. Mais il me viole quand même, hein, mais franchement, niveau dégâts, par contre, ça n'a rien à voir. Au dégât, ça n'a plus rien à voir. J'ai pas des capacités. Je sais même pas où est-ce qu'elles sont mes capacités. Oh, attends, j'ai un point de talent que j'ai pas utilisé. Alors, j'ai quoi? Vous pouvez continuer à tirer même à court de flèche. Consomme 5 points d'énergie. Des plumes au-delà de 90% annule les effets. Ouais, bouffe. Allez, on va mettre ça. Boom. Le vous ne perdez pas d'énergie d'âme en restant immobile, ça c'est intéressant ça par contre. Voilà, comme ça j'ai pu faire plus de dégâts avec mes dégâts améliorés, j'espère. Pourquoi je suis allé là? Je suis trop con. Enfin, franchement, niveau dégâts, rien à voir. Rien à voir. Mais bon, j'aurais toujours le même souci en phase 2. Mais je veux quand même essayer. On va essayer d'arriver jusqu'en phase 2. Juste pour voir. Là, je crois qu'on tient un truc. Putain, one shot. Très bien. Non, je suis tout simplement incapable de faire ce boss, hein, malheureusement. Putain, il me faudrait une épée longue améliorée, quoi. Si je savais comment on améliorait nos armes, bon, si on peut, on va.
à ça. Je suis à ça de le tuer. Putain, ça peut le faire avec cette arme. Avec toutes ces compétences accumulées. Je peux y arriver. Ce putain de hibou de merde va me donner des éclats. Putain, j'y suis, hein, franchement, là. Allez, vite. Par contre, je suis pas dans le bon sens. Crever. Trop tôt. Il le fait un peu trop tôt et trop au milieu. Ah. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment difficile. Il en fout partout. Comme un gros dégueulasse. Je peux plus marcher nulle part. Putain. Je commence à désespérer. Viens par là. Tu vois, il se met pied au milieu, cet enculé de merde. Tu peux rien faire, tu ne peux rien faire. Putain, mais je suis à quoi? Quelques quoi? Je suis à deux, un combo et demi de le tuer, quoi. C'est con que j'ai pas de d'autres capacités. Je sais même pas comment tu les changes, tes capacités, en vrai. Je vois même pas où c'est là-dedans. T'as le niveau, t'as les trucs. Ah. Non, là c'est les tri. Je sais même pas. Putain.
Ma plume de phénix. Héroïque. J'ai fait de la merde. Mais cette attaque de merde! Cette attaque de merde absolument inesquivable! Aïe aïe aïe! Putain. Je suis à deux doigts de le tuer, j'ai largement ce qu'il faut. Sauf de quoi esquiver cette ultime attaque de merde! Regarde les dégâts, quoi. Tellement cher. Allez, ne le refais pas. Putain, mais... Voilà. Et là, je fais quoi? Là, je... Putain, ça me saoule. Regarde... Regarde ça, la reine, il y en a partout. Tu peux même plus y foutre un poil sans qu'il explose. Oh, putain. Et quelle galère, et quelle galère. Ok. Plume récupérée. Allez, je retente une ultime fois. Je pense qu'après on va s'arrêter là. Clairement, j'ai pas ce qu'il faut. Yeah.
C'est du cul, en fait, plus qu'autre chose. C'est juste du cul, quoi. Y a pas de skill là-dedans, je suis désolé. C'est juste... oh bah tiens, si j'ai pas envie de l'activer, cette attaque, bah je l'active pas, et comme ça, t'as une chance de gagner. C'est dégueulasse, parce que là, putain, j'avais fait un super combat, je l'ai bien défendu. Je commence à le connaître par cœur, ce machin. Il faut que je le beurre, là. Et... ah, parce qu'au début, j'ai mes dégâts augmentés. Merde. Ouais, forcément, après, il fait ça dans son attaque directe. Putain, j'arrive pas à m'arrêter. Ce jeu est trop bien. Mais bon, bloquer contre des boss, ça fait chier. Ok, roi hibou héroïque. Pas le temps de le frapper, ça c'est génial. Taste the booyah! Enfin! Enfin! Yes! Le roi est beau! Oh, taste the booyah! Et je reprends mon épée longue, du coup. Comme ça, je peux utiliser pleinement mes capacités. On l'aura fait, ça nous aura pris beaucoup trop de temps, j'en ai rien à foutre, au moins le boss est mort, en héroïque. Voilà. Oh putain. Et il nous a quasiment rien donné en âme, c'est cool. Merci bien. Il faut que j'augmente l'endurance, je commence à être assez bas. Endurance. Oh putain, yes. Toutes les plumes sont là. Nous sommes exactement, je crois, au même endroit. À peu de choses près. On n'était pas tout à fait ici. Mais on est à peu près au même endroit que la dernière fois. Sauf que là, deux boss sont morts, dont un héroïque. Voilà, le premier boss du jour en héroïque. On en aura chié comme n'importe quoi. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai même pas regardé. On est niveau 35. On a pris 10 niveaux depuis la dernière fois.
Je ne sais pas trop où aller maintenant. Est-ce que je retourne vers le chevalier, vers le pont, tout ce bordel? Est-ce que je vais retenter le démon à la con? J'ai même pas envie. Voilà, on a pas mal de choses. Sachant que. Le rempart, il nous manque un autre livre. Le phénix, on s'en fout. Qu'il y a un seigneur de la toundra. Chevalier noir. Ouais, il nous manque un bouquin pour le seigneur de la toundra. Donc, à voir. À voir d'ici la prochaine fois, putain. 2h45 de session, quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle session de Death's Gambit. Voilà, un jeu que vraiment je kiffe. J'aime beaucoup. Très très sympa. Très très sympa. On va voir un petit peu encore combien de boss il nous reste. Je pense pas mal. Hein. On en est vraiment que au début du jeu. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un énorme pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une nouvelle session de Death's Gambit. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. And don't forget to taste the booyah! Je t'avais dit, hibou, que je te ferais la peau. Je te l'avais dit.